suis en première année de Master Informatique, Parcours Machine Learning pour la Data Science. Et j'ai intégré le groupe ADP en novembre 2021 en tant qu'alternante Data Scientist au sein de la Direction des Systèmes d'Information. Je suis alternante au groupe ATP et je travaille également dans l'école d'ingénieurs de Cesi à Nanterre. Je suis en première année BTS électrotechnique. Tellement apprenti alternant au sein du groupe ADP. Je suis actuellement expert en rayonnement pour la direction Engineering and Capital Project du groupe ADP. J'étais en alternance ingénieur pendant 3 ans, de 2016 à 2019, en tant qu'ingénieur projet. J'ai choisi de rejoindre le groupe ADP parce que les missions qui m'ont été proposées correspondaient totalement à mes souhaits. Et le secteur aérien, c'était un domaine qui m'intéressait fortement, donc j'ai de suite accepté l'offre. C'est une très grande entreprise et une très grande opportunité pour moi. Et puis, le monde de l'aérien me plaît énormément. J'ai eu la chance d'être encadré par des tuteurs extrêmement compétents et à l'écoute, et dont le but était vraiment de me former au mieux pour le métier d'ingénieur. C'est une énorme chance de pouvoir travailler dans ce milieu unique qu'est l'aéroport, de découvrir une diversité de métiers qu'on trouve nulle part ailleurs, travailler dans les coulisses de l'aéroport, les tri-bagages, les pistes avions ou encore les aérogares. Les installations sont vastes et diversifiées, ce qui me permet de découvrir beaucoup de choses techniquement, mais également le monde aéronautique à travers mes déplacements sur la plateforme des Paris-Orly. Mon expérience au sein du groupe ADP se passe très bien. Je découvre le fonctionnement d'un aéroport jour après jour, mais aussi l'activité qui est réalisée donc, au sein de la direction des systèmes d'information. Et le fait de travailler avec des personnes qui sont passionnées et qui sont compétentes, bah, ça rend mon expérience encore plus enrichissante. Si je devais donner un conseil aux alternants, ça serait de profiter au maximum de leur expérience, parce que c'est une chance de pouvoir travailler dans le secteur aérien, qui est un domaine très prisé, dans lequel beaucoup de gens aimeraient travailler. Je dirais si ils ont la possibilité de postuler ou de venir faire les apprentissages ici, ils ont la possibilité d'intégrer l'entreprise parce qu'ils connaissent déjà la plateforme de travail, ils connaissent l'environnement de travail. J'ai décidé de devenir tuteur pour un alternant parce que j'avais envie de transmettre à mon tour bien sûr mes connaissances et faire bénéficier de cette super expérience qu'est l'alternance au sein du groupe ADP à un élève ingénieur.